Merci d'être là il y a 6 mois exactement. Le 7 octobre, nous étions tous sous la sidération de ce qui se passait. Et nous nous retrouvons au bout de 6 mois. Les otages sont toujours otages. Et nous avons fait ce matin, et je le dis juste avant de donner la parole à Nathalie Bezerman, Cohen Bezerman, pardon, nous avons fait publier ce matin dans la tribune un sondage. Un sondage sur le regard des Français sur le conflit israélo-palestinien et ses conséquences. C'était le troisième que nous faisions, le premier juste après, un deuxième au bout de 2 mois et celui-là au bout de 6 mois. Et le principal enseignement est rassurant, chers amis. Les Français continuent majoritairement à considérer comme justifié l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas, même si le chiffre baisse très largement à 56 contre 62% en décembre et 65% en octobre. Ils sont 66%, 2/3, à considérer qu'il faut conditionner un cessez-le-feu à la libération de tous les otages, contre 34% à demander d'abord l'arrêt des hostilités. Ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. 73% plus haut niveau de réponse de nos 3 sondages. Et en effet, la majorité silencieuse semble résister bien mieux à ce que l'on aurait pu craindre aux effets des réseaux sociaux et des images des médias sur Gaza. Les Français ont ensemble plus de hauteur de vue que certains ne le pensent. Ce sondage nous rassure sur l'état de la France. Bravo.